Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai... Ben, j'allais dire un truc mais j'ai oublié parce que je me suis souvenu d'un truc mais non c'est bon. J'espère que vous allez bien ce soir, c'est du party let's play sur Marvel Zombicide. Tu, 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 tu. Alors est-ce que j'ai la boîte à côté Non, j'ai plus. Bah, j'ai plus du tout. Là, vous voyez, il y a déjà tout le setup, ça prend un peu plus de place. Bonsoir à tout le monde. Vous me dites si vous m'entendez bien évidemment, si c'est trop fort, vous me le dites parce que vous me voyez peut-être en biais parce que mon écran est de l'autre côté, là vers là là. Donc c'est pour ça que je regarde votre chat ici parce que j'ai rien devant moi. J'ai juste un mur blanc. Et du coup, bonsoir. Alors je regarde à Ghostfra, Bangui, À Raze moi s'il te plaît. Ah du coup, il euh, y a des personnes que j'ai pas vues directement. Dire, bah voilà, ouais, super. Bon, c'est 5 sur 5 sur le son. Bah nickel Chrome. Et vous me dites si la musique d'ambiance aussi, elle n'est pas trop forte. Comme ça, je vous la baisse aussi. Et ça vous évitera, entre guillemets, euh, d'avoir euh, voilà, des euh, trucs dégueulasses à entendre au sein euh, de votre... Audition ce soir, je reprends la règle parce que c'est plus simple. On va jouer à ça. C'est Marvel Zombicide, comme vous avez pu le voir. Le KS de Cool Mini Note qui a fait 9 millions, je crois, et des poussières. Donc un gros, 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 gros score. Puisque c'est la licence en même temps Marvel, et vous allez voir les figurines et le jeu est assez euh, sympathique. C'est Cool Mini Note, comme je vous l'ai dit. Ça va être distribué en français, bien évidemment, par Rasmodé. Il faudra, je pense, compter très sincèrement fin 2023, pas avant, parce que la deuxième vague, la première vague, fait partie bien évidemment des deux envois. Donc celle-ci que vous voyez au sein de, de la table là, et du stream, c'est euh, la boîte de base qui est figure dans le premier envoi. Et il était possible de faire un envoi groupé, qui est la première et la deuxième vague avec les strategy gold, avec bien évidemment toutes les extensions qui sont dotées pour ce Marvel Zombie. Et ça, ça va être disponible euh, directement... Vers euh, quand même septembre, octobre, fin 2023, pas avant. Peut-être été pour vraiment, si, voilà, euh, il se démène un tout petit peu, mais sinon, ça sera pas avant. Quoi qu'il en soit, je vous explique un tout petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu directement la vidéo sur la chaîne, parce que j'ai fait une vidéo qui explique un peu le jeu. Merci Grégory Priva pour le follow. Comment vas-tu J'espère que tu vas bien et que, bah, du coup, demain, tu vas passer de très bonnes fêtes. Euh, J'allais dire de fin d'année, mais oui. Mais une des bonnes fêtes de fin d'année. Parce qu'il y a quand même après le 31 qui arrive. <laughs> Grosso modo. Donc voici ce que vous allez avoir sur le plateau. C'est super simple. Des dalles qui se composent comme celle-ci. Bien évidemment des figurines. Dans Marvel Zombies, ce qui change, c'est bien évidemment les super-héros que vous allez avoir en version zombie. Moi je connais pas du tout cet arc, donc très sincèrement, s'il y en a un qui connaît dans le chat et qui peut nous éclairer sur le pourquoi du virus arrive et qui euh, engendre à l'intérieur plein de héros zombifiés, je sais que je crois que le dernier à se faire zombifier c'est Magneto, un truc comme ça, j'en sais rien. C'est un truc un peu chelou. Mais voilà, donc euh, c'est ce pan-là qu'ils ont pris, c'est cet arc pour justement bénéficier de de l'immersion sur ce zombicide entre guillemets. Euh, certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Certains du coup redécouvrent la gamme zombicide parce qu'il est vraiment plus simple à jouer, il est un peu plus euh, thématique. Vous allez voir le pourquoi du comment. Quatre super-héros qui sont zombifiés. Le but étant euh, dans ce scénario de récupérer comme vous pouvez le voir ici les quatre points rouges, donc les objectifs, de dévorer parce que dans ce jeu il est question de dévorer des citoyens, ce qu'on appelle les bystanders qui se situent ici ici, ici et ici, et ensuite sortir avec eh l'ensemble de nos héros. La condition de défaite, elle est très simple. Dans ce scénario-ci, c'est soit euh, les, un des citoyens s'enfuit et on a perdu la partie, ou alors il y a directement un héros zombie qui meurt, donc qui arrive à zéro point de, de vie, comme vous pouvez le voir ici. Hein, les points de vie sont générés avec le petit crâne. Eh bien, vous perdez automatiquement la partie. Mais dès qu'il y en a un, paf, ça c'est est terminé, vous perdez. Vous allez combattre non pas des zombies mais vous allez combattre des super-héros qui font office d'abomination de Nemesis comme vous avez le pouvoir dans la deuxième version et Black Plague et j'en passe dans tout ce que vous connaissez dans la gamme de zombies ici. Donc là on a des super-héros qui vont changer, vous allez voir ça a changé la donne. Les citoyens à dévorer et vous allez combattre non pas des zombies mais les agents du shield. Vous allez avoir des gardes qui remplacent un tout petit peu les fatty donc les grosses brutes à qui vous allez devoir coller deux points de dégâts sinon ce n'est pas possible. Vous allez avoir les simples agents qui eux sont représentés comme étant les walkers. Et vous allez avoir les spécialistes qui, eux, sont considérés comme étant les runners et qui vont avoir deux points d'activation. En soi, rien ne change là-dedans. Ce qui va changer, c'est uniquement les pouvoirs qu'on va avoir ici. Donc si on se focalise un peu, par exemple, sur Deadpool. Je regarde un peu le chat euh, en même temps, je suis désolé. Euh, <laughs> ah ben, des zombicides d'Eric. Euh, Reste-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas du tout. Bonjour, monsieur Sierra. Salut à ceux qui viennent d'arriver à Dark Montreal, etc. Pour les petits retardataires, sachez qu'on joue, bien évidemment, vous l'avez pu le voir, à Marvel Zombicide. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui va changer un tout petit peu, et là, hop, je vais vous montrer un tout petit peu cette carte, voilà. Vous allez avoir le nom, donc là, bien évidemment, c'est euh, le super-héros zombifié Deadpool. Derrière, vous pouvez voir à sa petite carte comme ça. Ici, vous allez avoir les points de vie, donc si j'arrive à zéro, c'est-à-dire ici... Je perds directement la partie. Ici, on va avoir euh, le longer. Je suis désolé, moi je garde un peu le, le, le rythme en, euh, en anglais, pardon, la notion anglaise. Mais c'est la fin, grosso modo. À chaque début de tour, tout le monde veut augmenter sa fin. Et cette fin-ci, elle vous dit quoi Elle vous donne déjà un bonus quand vous allez attaquer. Donc 1, 2, 3, 4 dés supplémentaires, par exemple, jusqu'à 4 dés. Et si vous êtes à 4, les seules actions que vous allez pouvoir faire, c'est avancer et dévorer quelqu'un. Vous perdez absolument vos habilités. Vous n'avez plus votre intellect, entre guillemets, parce que vous êtes guidé par votre soif de dévorer quelqu'un. Ça, c'est assez sympa. Vous allez voir tout au long, il va falloir quand même gérer un tout petit peu euh, cette, euh, cette fin. Vous allez avoir ici une attaque spéciale qui est directement liée à Deadpool. C'est ces Katana Dual qui se trouvent ici. Donc, euh, à 0, vous lancez 3D, 4 ⁇ vous allez éliminer quelqu'un et tout le monde a la capacité de dévorer donc ça ça ne change pas. Vous allez avoir une capacité aussi qui va changer. Donc là au niveau bleu, on va avoir celle-ci, au niveau jaune, tout le monde va avoir généralement plus une action, au niveau ensuite orange ainsi qu'au niveau et eh bien rouge que vous allez avoir ici. Par exemple, sa capacité bleue, c'est adapter en fait sa fin. Donc durant euh, votre tour, vous pouvez augmenter votre fin de 1 pour prendre une carte zombie trait qui se trouve ici. Les zombies traits c'est quoi C'est très simple, c'est un peu, on va dire les pas les armes. Hein, c'est vraiment grossir le train en disant que ce sont les armes, mais ça va vous donner des caractéristiques supplémentaires. Chaque euh, zombie peut accueillir jusqu'à deux traits zombies que vous voyez ici. Ce que vous allez avoir ici, c'est quand vous allez dévorer un citoyen, quand vous allez dévorer un citoyen qui va sortir de ce doxy que vous voyez, vous allez le mettre directement ici. Et à l'instar des euh, zombies traits que vous allez mettre et qui vont être défaussés généralement quand vous allez les utiliser, et bien ici, pour le citoyen que vous allez manger, il va rester tout au long de la partie avec un pouvoir spécifique. Des fois ça va être de, de relancer un dé, de faire de telle et telle chose. Ce qui vous permet, entre guillemets, eh d'adapter et de construire un tout petit peu euh, votre personnage. Alors vraiment, ça, je marginalise euh, un tout petit peu la chose. Euh, Miss Marvel, enfin Miss Marvel, pardon, Captain Marvel qui est ici, puisque que j'ai fait deux, euh, une compo de, de deux mecs et puis euh, deux femmes. Donc elle a le Mighty Punch, c'est une attaque au corps à corps avec 2 d sur 3 ⁇ et bien vous infligez une touche, et elle va avoir son énergie blast. À chaque fois que vous attaquez avec le Mighty Punch, vous pouvez éliminer un trooper ou un spécialiste dans votre zone. Donc là, même si vous faites 0, vous éliminez en fait quelqu'un. Donc c'est très, 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 très fort. Captain America, lui, il a son shield vibranium. Donc vous voyez, hein, c'est le personnage emblématique avec un peu euh, son bouclier de 0 ensuite vous allez lancer 2D 3 plus vous allez infliger une touche et vous allez pouvoir bloquer avec le bouclier à chaque fois que vous devez prendre une attaque et eh bien d'un ennemi sur votre zone avant d'assigner eh bien des blessures vous allez lancer un dé si vous faites 5 plus vous allez ignorer directement la blessure donc lui c'est un formidable eh bien protecteur et ensuite on va avoir Wasp qui se trouve ici qui est un peu la guêpe elle, elle, va avoir eh bien, son WAPS Sting. C'est la seule euh, des quatre personnages ici euh, qui va avoir une attaque à distance. Donc de 0 à 1. Elle va lancer 2 dés et 3. Plus. Et euh, durant ensuite euh, eh bien, euh, voilà, une attaque, par exemple, on peut ignorer eh bien, euh, la cible prioritaire. Vous savez que d'abord c'est les abominations, ensuite c'est les gardes, ensuite c'est les, euh, les, euh, les walkers, pardon, et ensuite euh, ce sont les, les runners. Et eh bien là, euh, vous allez ignorer ceci quand vous allez eh bien, attaquer ou alors quand vous allez faire euh, l'action dévorer. Donc vous voyez c'est super super intéressant aussi pour un tout petit peu euh, pallier à la chose. Ensuite je regarde un tout petit peu le chat mais je crois qu'il n'y a pas de questions entre guillemets euh, donc il n'y a, a pas de soucis. Les actions sont les suivantes. Pour une action, vous avez trois actions à votre début de tour pour l'ensemble des personnes, donc 3, 3 et 3 et 3 bien évidemment. Pour une action, vous pouvez bouger d'une zone, pour une action, vous pouvez casser une porte directement, donc adieu les pieds de biche et les lancers de dés qui étaient foireux pour ouvrir une porte, donc ça franchement c'est très sympa et vous allez voir c'est très orienté action, donc il n'y a plus de notion de bruit, il n'y a plus rien, vous allez voir c'est vraiment quand même euh, euh, très axé action. Pour une action, je pourrais eh bien récupérer directement un objectif qui se trouve ici. Pour une action, bien évidemment, j'attaque. Pour une action, bien évidemment, je peux dévorer quelqu'un. Et voilà, vous avez grosso modo l'ensemble des actions. Et pardonnez-moi, il y en a une qui est quand même essentielle. Pour une action, je peux tirer une carte du zombie trait qui se trouve ici. Sinon, vous êtes régé à peu près de la même chose euh, concernant les, les, euh, les, euh, les mouvements. C'est-à-dire que si vous allez avoir des, des, euh, pardon, des agents du shield pour pouvoir partir, bah c'est 1. Pour partir, plus 1 à chaque ennemi qui se trouve à l'intérieur. Ça, ça ne change pas. La notion de bruit, comme je vous l'ai dit, n'existe pas. Et puis, on est parti pour ce premier round. Donc au premier round, on commence bien évidemment, on est là, je rappelle, on doit récupérer les quatre objectifs, manger euh, les trois les quatre bystanders qui se trouvent ici et puis ensuite sortir directement. On commence avec la phase de faim, donc on va augmenter tout le monde à 1. Donc voilà, tout le monde commence à avoir un petit peu faim, donc euh, ça augmente un tout petit peu. Et on va jouer par exemple Deadpool. Donc Deadpool lui, il va faire par exemple 1, il va ouvrir ici donc en 2, paf, il ouvre la petite porte et là, on va générer uniquement et uniquement seulement où vous allez avoir un petit triangle alerte qui se trouve ici. Pour ce faire, on va tirer tout simplement une carte. La carte est celle-ci. Il s'agit de deux spécialistes, puisque nous sommes au niveau et eh bien bleu. Et je vais prendre tout de suite les deux spécialistes. Alors, on va faire une femme et un homme, comme ça on va avoir une parité. Hop, qui se trouve ici. Et cette carte, on va la mettre du coup et eh bien euh, de côté. Et la dernière action, bah, ça me sert un tout petit peu à rien. Et B, euh, tac, 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 tac. Oui, ils ont viré le bruit. Je regarde en même temps, je suis désolé si je tourne un tout petit peu ma tête. Ils ont carrément enlevé le bruit. Donc, euh, bon, après, le bleu, moi, j'avoue, je ne l'utilisais pas du tout. Et je vais prendre une carte de trait. Et là, vous voyez que j'ai une force un tout petit peu... Euh, euh, le Roten, c'est qui décrépite, entre guillemets, qui, qui, euh, qui est un peu moisi. Donc, je la défausse avant d'attaquer. Euh, directement j'augmente euh, ensuite ma hunger ma donc ma faim et les ennemis ont moins 1 et eh bien en, en force c'est à dire que finalement pour tuer un garde et infliger 2 et eh bien là ça s'inflige directement avec 1 donc ça c'est plutôt pas mal euh, tac, et je vais le mettre ici donc lui je sais qu'il a ça mon tour est fini avec lui je vais prendre par exemple le wasp je vais faire 1 je vais la mettre ici en 2 ensuite je vais et eh bien tirer là-dessus avec 2 dés 3 ⁇ sachant que j'ai 2 dés, mais j'ai aussi ma fin qui se trouve ici avec un 1, comme vous pouvez le voir ici, hop, qui se trouve là-dedans. Eh bien, je vais avoir un dé supplémentaire et on est obligé de le faire. Je vais lancer, je vais vous dire pourquoi on est obligé de le faire. Ici, vous voyez que c'est un 1. Donc, grosso modo, je tue quelqu'un. Déjà, je suis content. Mais à côté de ça, vous voyez que j'ai fait 2 1. Donc, c'est là où je vais augmenter, eh bien... Euh, ma hunger de 2 parce que là j'augmente et j'augmente donc ça fait 1 et 2 et je me retrouve à 3 donc vous voyez au prochain truc c'est compliqué parce que ma fin elle va être à 4 merci Thomas 55 pour le follow et vous voyez que là si j'augmente à 4 à la fin de mon tour si je suis à 4 enfin je vais perdre 1 point de vie donc il faut pas rester sur la fin. C'est très 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 compliqué parce qu'à un moment donné, déjà, vous perdez vos habilités. Et en plus, <laughs> du coup, vous allez un peu vous, vous, vous manger des points de dégâts. Donc j'ai fait 1 ici, en 2 je suis venu ici, et en 3, je vais peut-être pas avancé En 3, et eh bien je vais tirer encore une fois. Pourquoi Parce que lui, il a 2, il va faire 1 et 2 potentiellement, il va pouvoir attaquer quelqu'un. Alors c'est risqué bien sûr, hein, parce que la fin, elle peut augmenter et du coup, bah, elle est un peu compliquée. Donc je lance, et ma fin est à 4. Donc là pour le coup je vais me choper moins 1 ah, c'était un peu euh, la misère et je vais mettre ici et bien évidemment je prends deux points d'XP parce que j'ai tué hop deux petits monstres ça va être un peu compliqué mais c'est pas bien grave je vais jouer captain america je vais le mettre du coup ici donc ça fait 1 en 2 j'ouvre Hop, je mets ça ici, je suis en train d'ouvrir toutes les portes mais peut-être c'est chaud. Euh, merci à Kuma Jutsu 2094 pour le follow. Alors je te vois ici, je fais ça. Pardon, je suis désolé, je fais ça à la caméra, tu vois pas, mais là tu vois. Du coup, euh, ça se met ça. Euh, ouais, j'ai bah, jamais resté sur Symphony, mais là je pense que ça va être une partie un peu, euh, un peu, un peu compliquée. Hein. Ça va être euh, la misère sociale. Euh, pour les alors c'est du plastique qui n'est pas mou pour euh, te répondre Grégory tu vois je peux je peux te faire un truc mais j'ai pas fait un focus dessus je, je ferai un focus je pense euh, euh, un peu plus tard mais elles sont bien détaillées pour le coup très sincèrement donc ça marche très bien et il y a grosso modo euh, quatre postures différentes pour les, les agents du shield de troupes qui sont là deux postures différentes pour les, euh, les les gardes qui sont ici un avec un bouclier et un, comme tu le vois, sans rien. Et puis deux postures différentes avec, bien sûr, les, les spécialistes. J'en étais là. Donc Captain America fait un, deux, il ouvre. Et euh, ensuite, on va révéler, bien sûr, une carte. Donc là, vous voyez, ta -ta -ta -ta, c'est un super héros qui arrive. He comes a new challenger. Pour ce faire, on va tirer une carte de super héros qui se trouve ici. Et là, on a. Tatatin! Ta, Doctor Strange. Alors Doctor Strange, on va le mettre directement ici. On peut dévorer de toute façon Doctor Strange, etc. Donc ça ne change pas. On va le mettre là-dessus, puisqu'il est ici. Voilà. Et Doctor Strange, lui, eh ben, c'est un peu compliqué. Pourquoi Parce qu'il a déjà trois touches. Donc il va falloir faire trois pour pouvoir le tuer. Ce qui est très, 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 très compliqué, vous allez voir. Et ensuite... C'est un petit effet qui se coule qui est vraiment pas très sympa parce qu'il va agir comme étant un point de génération durant la phase d'ennemi. Donc j'ai un point de génération ici, un point de génération ici, et du coup un point de génération ici. Donc là ça va être un peu vraiment vraiment compliqué. Donc je vais mettre ça ici pour vous montrer qu'il est là. Et le dernier truc que je vais faire, euh, ça va être. Salut Mélodie, comment vas-tu J'espère que tu vas bien. T'as vu, j'ai enlevé mon pull que t'es mettant et. Mais je te le donnerai pas. Pour le coup, tu ne rentrerais pas dedans malheureusement. Et du coup, bah, Cap bah, je, je pense que Captain America, vous savez quoi? Je vais lui prendre un très zombie. Qui est là. Submate to hunger. Alors, du coup, je peux la défausser durant mon tour. J'augmente ma faim de n'importe quel euh, de n'importe quel euh, degré. Et ensuite, euh, j'ignore Ravenous distern Ok, donc grosso modo. Je peux augmenter ma fin comme ça pour avoir des dés supplémentaires. Et ensuite, euh, durant ce tour, donc j'ignore directement la fin. Je pourrais par exemple me mettre à 4 pour avoir des gros gros boosts de dés pour pouvoir potentiellement par exemple tuer Docteur Strange et augmenter les touches. Et par contre ce tour-ci, ce qu'on appelle le revenus, c'est comme je vous l'ai dit, une action ça va être dédiée à attaquer et dévorer quelqu'un ou alors faudra se rapprocher de la cible la plus proche pour, euh, pour mordre quelqu'un. Donc ça c'est plutôt sympa si on veut augmenter un tout petit peu euh, là-dessus. Et ensuite j'ai le Mighty Punch avec Captain Marvel mais je pourrais pas arriver là-bas. Si je fais 1 et 2, ah, je pourrais attaquer 3D, 3 ⁇ faire 3 ⁇ Ouais ça se tente. Je ah, vais Donc je suis là, je vais faire 1, 2 et je vais faire Mighty Punch sur euh, Doctor Strange qui se trouve là-bas. Euh, merci Vagor pour le follow. Du coup je vais lancer... 1D plus 2D ici, donc 3 plus et je tue. Du coup, il faut que je fasse 3, sinon c'est compliqué. Ah non J'ai failli Donc j'ai 4, 2 et 6, donc ça ne marche pas parce qu'il faut que je lui fasse 3 touches. Et bien du coup, ben, je l'ai un peu dans le patch. Alors là, hop, ça se termine. Et ensuite, eh bien on va faire les phases d'ennemis. Durant la phase d'ennemis, on va activer les ennemis. Donc lui il va m'infliger directement une touche. Euh, tac, je suis à 4. Et le super-héros, il a deux actions, donc il m'inflige encore une autre touche. Oh là là, je suis à 3, donc c'est un peu compliqué. Je crois ce scénario, c'est un peu la misère sociale. Ensuite, on n'a pas de garde, on n'a rien d'autre. On va générer, du coup, eh bien, des, des, des agents du shield. Le premier point de spawn qui se trouve là-bas, on va prendre la carte. Il s'agit, et eh bien, tout à fait, de deux gardes qui ont la capacité de rush. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont arriver ici et ils vont se mettre directement ici parce qu'ils avancent, eh bien, d'une tuile. Sinon... C'est un peu la misère. Ensuite, on a celle-ci, puisque tant que euh, Doctor Strange est ici, il génère lui aussi eh bien, des cartes. Ici, nous allons générer. Eh bien... Euh, ben, on n'en génère rien. Parce que là, tous les troopers en fait pourraient nous attaquer à distance. Donc ça, c'est encore un truc euh, qui, qui, qui fout un peu le bordel. Donc ça, Dieu merci, on ne l'utilise pas. Et la dernière carte ici, bien évidemment. Il s'agit eh de trois troopers. Donc on va en mettre un ici. On va mettre le double bâton. Ici et on va mettre ensuite le petit mec là-dessus. Voilà où on en est chut, sur le point de spawn un nouveau tour bien évidemment bah, commence. Alors j'ai oublié pardon de mettre le bystander qui se trouve ici. Donc on a un citoyen en bas. Il s'agit eh bien de blind eye qui se trouve ici. Donc on va la mettre tout de suite. Elle est où déjà celle-ci? Elle est je pense. Alors où est-ce qu'elle est? -ce qu est je ne la trouve pas. Elle est là. Voilà. On va la mettre ici directement et euh, au-dessus on va avoir tac on va avoir Bob l'agent de l'Hydra et eh bien on va le mettre ici voilà il y a Bob cac qui se trouve ici donc voilà on a nos deux personnages qui sont là donc je vais les laisser à côté pour pas les oublier ce sera plus simple et là l'autre joueuse et on a fini ce... on a fini du coup tout ce qu'on devait faire du coup on augmente sa fin donc ici lui il va passer à 2 ici on est à 4 donc on peut rien faire du tout euh, ensuite, on a ici à 2 là-dedans. Donc, je dois perdre un point de vie parce que j'étais à 4 là-dedans. Et ensuite, on a lui qui passe à 2 euh, directement. Je vais retenter, je pense, le Mighty Punch ici parce que je touche à 3. Donc, pour une action, euh, je vais venir taper. Eh ben, c'est bien. 5, 3 et 5. Je tue Docteur Strange. Bam, je le mets là-dedans. Enfin, on ne le tue pas. Généralement, je pense qu'il s'en va parce qu'il peut revenir, etc. Et tout de suite, je gagne le nombre de points d'XP par rapport à ses points de vie. Donc, il a 3 et je suis à 3 en XP. Ça, c'est mon 1. En 2, je viens ici. Et en 3, je vais essayer de dévorer du coup. Parce que c'est quand même le scénario Bob. Donc, je vais lancer 2D plus 1. Il faut que je fasse 4 ⁇ Je lance. Je fais 4, c'est formidable. Et quand on dévore du coup, eh bien, Bob, il va nous donner sa petite caractéristique qui se trouve ici. Donc on va la mettre là-dedans. Et la fin descend automatiquement à 0. Donc là, elle, elle est un peu tranquille. Donc elle, elle a fait son tour directement, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais peut-être dévorer avec Wasp. Donc 1, 2. Et pour dévorer... Non, normalement ça passe. Donc je vais faire 1, 2, je viens ici. Et je vais dévorer du coup Blind Eye. Du coup, je vais lancer 4D. Euh, plus 1, ça fait 5. Je dois faire 4. Plus. Et là, 4, c'est bon. Je la dévore, blablabla. Je passe à 0, puisque j'ai quand même plus faim. Et je mets Blind Hall ici directement. Qui me permet à chaque fois eh bien, que je dois être blessé, je peux augmenter ma faim. Pour relancer un eh dé. Sur un 3, euh, j'ignore cette, euh, cette blessure. Donc ça c'est pas mal parce qu'elle a quand même 4 ici. Et du coup on va éviter de, de se prendre encore des dégâts. Alors bien évidemment, hein, les bystanders ne se changent pas, les, les monstres traits ici ne, ne se changent pas, euh, ni, ni quoi que ce soit. On a fini avec ces deux personnages-ci. On va passer à Deadpool, mais Deadpool, ils sont quand même assez loin, donc on va attendre un tout petit peu. Je vais descendre un peu pour essayer d'ouvrir cette porte. Donc je vais faire 1 et 2. Ah mais ça sert à rien d'ouvrir maintenant. Donc 3, je vais prendre un autre trait pour Deadpool. Euh, qui est le taunt Alors le taunt, euh, grosso modo, euh, c'est la provocation. Donc je peux défausser cette carte durant mon tour. Je sélectionne une zone à 2 de portée. Et tous les ennemis euh, qui sont activés avancent vers ma zone. Donc ça, pourquoi pas Ça permet de faire une petite diversion. Et Captain America va faire 1 et 2 et 3 du coup. Il va prendre pareil. Et là, il a Undead Rage. Je peux défausser et augmenter ma fin de n'importe quel point. Euh, quand un ennemi entre dans ma zone Et immédiatement je fais Une attaque gratuite d'attaque Donc ça c'est quand même fort hein. Ça c'est très 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 fort Donc hop Je vais mettre ça là dedans Donc vous voyez grosso modo Un peu les 13 zombies On peut un peu les attribuer euh, Et les assimiler je pense Comme étant euh, Des armes Bien que les armes On les défausse pas etc Mais voilà c'est Comme vous pouvez le voir C'est un zombicide Qui est super super rapide Et très axé euh, Sur la la, la la tatane Merci à Terra pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. On est en train de jouer, je le rappelle, à Marvel Zombie. Le tour est fini, donc cela vont bouger. Paf, paf et paf. Les gardes, bien évidemment, vont bouger, donc ils se rapprochent ici. Et ensuite, on va générer, et eh bien, euh, des choses. Donc en haut, on va générer un trooper. Pardon, un garde et en plus il a la capacité de rush, il se trouve ici. Donc voyez, on peut être des fois euh, très submergé et l'autre, on va avoir un spécialiste qui se trouve du coup. Hop hop hop. On va prendre une femme, tiens. Et on va la mettre ici. Tac qui se trouve là-dedans. Alors, j'ai dévoré quelqu'un, je peux augmenter de 1. Moi, je le fais tout le temps, mais dans les règles, je sais plus tellement. Donc là, je dévore quelqu'un, je suis à 4. Hop, et là, on est bien. Alors est-ce que j'ouvre avec du coup Deadpool mais là je, je suis obligé d'augmenter la fin donc hop on augmente la fin donc ça tient un tout petit peu chez Captain America ainsi que Deadpool ils sont à 3 et 3 mm -hmm. et là je tape quand même pas mal donc là je vais pas prendre le machin ici si je prends ça ça me donne je crois 5 points et du coup je vais passer en orange et ça va être un peu chaud mais je vais avoir une action supplémentaire avec elle je vais essayer et eh bien de temporiser lui il temporise quand même pas mal. Et je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez, je vais ouvrir la porte pour voir grosso modo ce qui peut arriver. Donc j'ouvre la porte avec Deadpool. Je mets ça ici. Je préfère ouvrir tant que je suis en bleu, sinon c'est un peu la, euh, la misère. Euh, tac, tac, tac. Alors, gosse, qu'est-ce que tu me dis C'est pas un peu simpliste, répétitif du coup, je veux dire, par rapport aux autres ambicides. But, en fait, tout dépend. C'est sûr que si tu n'aimes pas Marvel et que euh, tu t'en fous royalement, bah, tu vas trouver ça trop simple, mais c'est très axé euh, sur de l'action pure, comme tu peux voir, c'est-à-dire t'ouvres des portes, t'attaques, tu dévores, tu manges, etc. Donc c'est que basé là-dessus. Maintenant, si effectivement, toi, tu cherches l'aspect survie, c'est pas sur ça qu'il faut aller. Hein. Il faut garder la seconde édition de Zombicide qui marche très bien. Et qui en plus, avec le cycle jour-nuit, bah, renforce un tout petit peu l'immersion. Ici, c'est carrément fait pour de la poutre. Là, c'est du pur améritrage. Hein. Très sincèrement, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et euh, tu un tout petit peu de, de bouffer à, à tous les râteliers. Euh, mais tu vas voir que tu peux être très très vite submergé. Donc là, euh, déjà, je suis en train d'ouvrir ici. Et tu vas voir que, mine de rien... Ça va être un peu complexe pour ressortir parce que bah, les mecs vont, vont venir et vont prendre un tout petit peu euh, euh, en tenaille. Mais ouais, ouais c'est plus simple que les anciens zombicides parce que euh, de, les anciens zombicides, entre guillemets, enfin les anciens, euh, les, les précédents sorties plus précisément, eh bien tu es obligé d'avoir une arme pour pouvoir tirer parce que si t'as pas d'arme, bah, du coup tu peux rien faire. Alors que là tu vois, tu, tu tapes dès le début de la partie, etc. Pour ouvrir des portes, ici tu les défonces, alors que dans l'autre tu es obligé d'avoir un pied de biche, etc. Donc euh, tout dépend de ce que tu recherches. Mais effectivement, celui-ci est plus simple euh, que les autres. Hein. Très sincèrement, je ne vais pas te raconter des, des conneries. En plus, tu le vois comment ça joue. Donc c'est très axé machin. Mais moi, je kiffe tellement Marvel que moi, je prends plus plaisir à jouer à ça. Et franchement, j'adore vraiment cette version. Donc là, on va eh bien, générer... Euh, ah, donc voilà. Là, on peut générer, comme vous pouvez le voir ici, un citoyen. Mais le citoyen va avoir une escorte avec un garde. Du coup, on va mettre un garde. Ici, et un citoyen. Et le citoyen, ça va être Roulement de Tambour. Et eh bien, ça va être Hawk, qui se trouve ici, qui est issu du pan de, de Black Panther. Donc, on va la mettre ici. Hop. Et ce citoyen, lui, sait se battre et sait se défendre. Avec la compétence de points que vous voyez ici. C'est-à-dire que lui, ça va être considéré comme une troupe. Donc, il va avancer. S'il est, il, il est sur vous, il va utiliser une action pour pouvoir vous attaquer. Donc, attention, encore une fois. Hein. Attention, ça va être un peu, euh, un peu compliqué. Alors, bien évidemment, on peut dévorer. Hein. Donc, je vais laisser la carte ici parce qu'on pourra la dévorer. Et ensuite, on en a une à côté. Une autre, pardon. Donc, je vais prendre. Je vais passer par là, c'est plus simple. Et là, j'ai deux troupes. Donc, on va mettre deux troupes. On va mettre celle-là. Et tiens, on n'a pas mis celle-ci. Donc on va les mettre là-dedans. Et j'ai un autre citoyen qui se trouve bien évidemment en dessous. Et qui est euh, l'agent Goulson que vous voyez ici. Donc l'agent Goulson, pareil, il va pouvoir lui attaquer. Donc on va le mettre ici avec son gros fusil. Paf Et il se met là-dedans. Et bien du coup, ça c'était mon 1. Euh, alors, alors, Qu'est-ce que je fais en 2 du coup bah, Je vais essayer de taper. Hein. Euh, je vais faire 2. Et ma fois 3, je vais mettre ici. Et je vais essayer du coup euh, de tuer les, les mecs. Ah, mais après je vais être à 4. Si je suis à 4 en hunger, eh je vais me prendre un dégât. Ensuite je vais me reprendre d'autres. Je vais dévorer quelqu'un. Donc j'ai du coup 3D. Plus 1, ça fait 4. Il faut que je fasse 4 plus. Quand on dévore quelqu'un, c'est là où vous pouvez uniquement dévorer une cible. Sauf si vous avez un pouvoir spécifique. Mais vous ne pouvez pas attribuer l'ensemble de vos touches. C'est-à-dire si je dévore et que j'ai 4 touches, je n'ai pas dévoré 2 mecs. Sauf si j'ai un trait qui me permet de dévorer. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Je lance. Oh là là, je fais rien. C'est pas possible. Oh là là. Et eh bébé eh eh ok. Bon bah je dévore que dalle, en fait. Oh là là, voilà. Là, ça va commencer un peu, je pense, à... À chafouiner, le Deadpool il va être dans une merde comme pas possible. Euh, salut à Wolf, du coup, euh, Phoenix, et salut bien sûr à Jason, le peintre, mon formidable ami qui reste très tard le soir pour jouer à Counter Attack. D'ailleurs on doit jouer du doit faire du foot. Et on essaye de faire ça bah, très prochaine fois vers ce week-end si tu ne fous rien et tu ne fais pas d'ON de demain. <laughs> du coup bah là je, je suis rincé avec lui. Hein. Je ne peux rien faire, c'est terrible. Et B ben, ma foi ben, je vais essayer avec Captain America de sauver les meubles Je vais faire 1, 2 et je vais essayer moi de taper directement euh, Merci Arminius pour le follow, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne si tu ne la connais pas En tout cas ça fait plaisir, on est en train de jouer à Marvel Zombie, le zombicide dans l'univers de Marvel euh, Je vais tenter d'attaquer les gars parce que c'est un peu la misère hmm, Je suis en train de regarder mais je crois que ça va être la merde hein Très sincèrement. Et lui, il peut protéger un tout petit peu. Ils seront ensuite à 5, à 4. Hein, pour dévorer quelqu'un, ça va aller. Ils vont pouvoir dévorer ces mecs-là. Bon allez, je vais tenter de taper parce que là, c'est chaud. Donc j'ai 3 dés de base. Plus 2. Je dois faire 3 plus. Oh, normalement ça passe là. Hein. Et ben c'est bon, je fais 6 et 3. Ah, juste, juste. Hein. Donc je tue deux mecs. Hop, 2 agents du shield. Et les deux agents du shield, hop, s'en vont ici. Je dois jouer encore mes deux personnages qui se trouvent là. Donc, je pourrais faire. Euh, je pourrais ouvrir la porte ici et commencer à tirer. Euh, ou alors, je fais 1, j'ouvre la porte, je tire. Mais ces 3 mecs vont venir chez moi. Et elle, quand même, elle a que 2D, c'est compliqué. Oh là 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 là. Euh, donc, je vais faire sinon 1, 2 et 3. Je vais tirer. Je vais essayer d'en détruire quand même pas mal. Donc, je suis à 1. Hop, tac. Ensuite, j'ai 2D et c'est sur du 3. Donc, normalement, je pourrais en tuer 1. Oh, c'est pas possible Pff, Oh là là. Mais c'est la misère, ça y est, là ça commence un peu à... C'est la fumisterie là qui commence. Donc là c'est un peu la, la, la misère. Euh, ça j'ai joué. Ça j'ai joué. Les C2 là, du coup, j'ai joué. Tout est nickel. Euh, merci au bouillon ludi qui rejoint la chaîne. J'espère que tu vas bien. Je le répète, on est en train de jouer à Marvel Zombie. Je le répète tout le temps parce que ceux qui viennent peut-être ne le savent pas. Et du coup, bah, on est parti sur une phase. Donc eux vont venir directement ici. Eux ensuite vont venir là-dedans. Et eux vont faire 1 et 2. Ils vont se mettre là. Elle, elle va venir ici. Lui, du coup, va venir là-dedans. Et lui va venir là-dedans. Donc on va pouvoir dévorer ce mec-là directement. Et lui, bien sûr, il va venir ici. Donc génération nous allons avoir deux spécialistes en haut. Hop Donc il y en a un ici. Et voilà le deuxième qui se retrouve au-dessus. Juste là. Hop Qui vont vite. Ils sont en train de courir. Et en bas, on va avoir 4 Oh là 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 Et ensuite, ils vont s'activer. Donc on en a 4. Deux ici qui vont se mettre là parce qu'ils s'activent. Et là, comme vous voyez, ça commence un peu à, à puer. Hein. Là, je, je commence un tout petit peu à suer parce que euh, ça, ça commence à devenir un peu, un peu compliqué. Là, si vous me rajoutez en plus... Enfin, s'ils nous rajoutent euh, grosso modo un super-héros, c'est un peu la misère. Donc Deadpool, tout de suite, il cherche à dévorer quelqu'un. Captain America, pareil, il veut dévorer quelqu'un. Euh, Captain Marvel ça va et Wasp ça va aussi. Donc je vais jouer directement euh, toc, 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 Deadpool qui va essayer de dévorer. Donc 4 dés, plus 1 ça fait 5. Euh, 4 plus, je lance les dés, c'est bon j'ai mes 4. Donc ça, ça vient ici. Euh, Goulson est directement dévoré. Et du coup je gagne sa capacité qui est là. Durant eh bien, euh, mon tour, je peux augmenter ma fin pour faire une attaque. À distance et pour le coup ça me sert à rien parce que lui il a pas d'attaque à distance. Ça c'était mon 1. Mon 2 du coup je vais venir ici et mon 3 je vais essayer d'attaquer donc je vais lancer cette fois-ci 3D parce que du coup bah, j'ai rien d'autre et je vais voir si je peux du coup au moins euh, tuer ce mec -là, là. Donc je lance ah ben non, je fais 5, 2 et 2 à ah, rien du tout. Lui il protège ensuite. On a Captain America qui va venir ici. Captain America lui de toute façon il doit manger quelqu'un, donc euh, bah, il est protégé ici par euh, le garde, donc il doit faire 2 touches, il a 4 dés, euh, plus 1 ça fait 5, donc ça c'est sa deuxième action, il lance, je fais euh, 6, 4 et 4 c'est bon, donc je dévore celui-ci, je passe à 0, donc j'ai eu de la chance parce que franchement c'est très compliqué, et ensuite je vais essayer de dévorer l'autre bystander qui se trouve là, donc je vais lancer cette fois-ci 1 d j'ai fait 1, 2 et je dois faire du coup 4+. Et ben bah, je fais 4+, c'est bon, je la dévore, elle est pour moi, ok. Et du coup, durant mon tour, je peux augmenter ma faim pour faire une attaque de mêlée supplémentaire. Euh, merci à Eglos pour le follow, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne, on est en train de jouer à Marvel Zombie. Là, j'ai fait toutes les actions avec ces deux-là. Il me reste ces, ces deux ici. Donc là, alors, oh là là, j'ai oublié d'augmenter. Donc lui, c'est deux, hop. Et lui, c'est pareil, il en a tué deux, hop. Tout à l'heure, je crois. Non, il a dévoré quelqu'un, je crois. Voilà, il a juste dévoré l'agent. Hop. Donc là, je suis ici, je pourrais sortir avec mes trois actions et me mettre là-dedans pour être tranquille. Je n'ai pas besoin de fin, encore une fois. Mais vu que je peux augmenter ma fin pour lancer un dé sur un 3 euh, ⁇ j'ignore euh, la touche. Ça serait quand même pas mal, mais je préfère la jouer quand même sécure. Je vais la mettre là. Donc je vais faire 1, 2, 3, euh, partir là-bas. Avec elle, je vais faire 1. Et du coup, je vais piocher un trait en deux, qui se trouve ici. Euh, J'ai le sprint de la fin. Euh, quand je bouge, quand je me déplace, j'augmente ma fin euh, pour augmenter eh bien, mon déplacement. C'est-à-dire euh, que si je veux faire 3 zones, eh euh, j'augmente ma, ma fin de 3 et du coup je peux bouger de 3 zones supplémentaires. Je vais mettre ça là. Il me reste une autre action. Euh, je prends un autre trait. Je vais essayer de voir. Hop, et l'autre trait. Quick bite. <laughs> D'accord, ok. C'est une morsure rapide. Euh, durant, mon, euh, durant ce tour... Durant mon tour, si je la défausse, je peux faire une attaque euh, de, de, pour dévorer quelqu'un gratuitement. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait tout le monde. Euh, yes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des commentaires, machin. Je les lis en même temps. Je regarde euh, un tout petit peu. Euh, tac, 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 tac. tac. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est des relances. Et moi, je lance tout en même temps. C'est vrai. Mais je, je fais ça. Ouais, c'est un truc qui, me, qui est plus rapide pour moi euh, que de relancer euh, directement les dés. Mais tu as absolument raison. Mais je le fais comme ça. Je lance tout, tout le temps les dés. C'est plus, plus simple pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir Du coup, j'ai tout fait. Je suis en train de réfléchir un peu. Et dans le scénar, il faut que je regarde déjà c'est quoi les, les conditions de machin. Mais je crois que vu que c'est le premier, c'est pas si compliqué. Je re-regarde un peu. Donc, pour, si vous voulez voir un peu les scénars, c'est à peu près comme ça. C'est du classique de toute façon. Euh, ah j'ai oublié ça, ben oui mais je le savais. Du coup, chaque fois que vous mangez un bystander, ça vous donne 5 points d'XP. Euh, et ensuite, euh, chaque objectif vous donne 5 points d'XP. Donc ça déjà, on va le rectifier tout de suite. On est à 3, 5, 6, 7, 8, on est en jaune. Là, 5, euh, à 4, eh bien, on est à 9, on est en jaune. Hop, on va se mettre là. Et ça... On est à 9, on est en jaune, en fait on est en jaune partout, et là c'est 5, on est à 6 à part pour lui. Tac. Bon les actions je les fait pas parce que je ne les ai pas faites, donc c'est pas... Euh, c'est pas pas directement euh, le problème. Je regarde juste un truc parce que j'ai eu un trou et je me dis, effectivement, est-ce que euh, ça, ça se fait comme ça sur la... juste la génération des... Des ennemis... Je regarde juste un truc. Est-ce que vous l'avez pledgé ça du coup Est-ce que vous attendez peut-être votre deuxième vague en même temps que je cherche Ou alors est-ce que vous allez le prendre quand il va sortir en retail, c'est-à-dire en boutique euh, Ou alors, je sais pas, peut-être que vous vous en foutez aussi un peu. Euh, tac 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 tac. Euh... Ah non mais non mais en fait non mais non pardon donc je te dis c'est des relances mais non en fait c'est pas des relances j'ai eu un trou donc c'est ce que je cherchais aussi non non on te dit bien que euh, euh, quand tu fais euh, une attaque de mêlée ou alors euh, quand tu veux dévorer quelqu'un ou alors une attaque de distance euh, un zombie héros euh, doit euh, lancer des dés additionnels égal à la valeur de fin. Donc j'ai bien fait, voilà, c est, c est, ça m'a lupiné un tout petit peu le truc. Donc c'est pas des relances parce qu'il y a un truc qui donne des relances, mais c'est bien la fin. Tu la joues comme ça. Donc c'est bien écrit dans les règles. Donc voilà, au moins tu m'as rectifié et puis du coup, hop, euh, ça se fait directement. Donc euh, voilà, merci Vargorn en tout cas de m'avoir mis au point parce que je pensais moi aussi que c'était des pseudo relances, mais en fait non, absolument pas. Donc, ça changerait en fait dans le jeu parce que je faisais ça depuis tout à l'heure. Mais merci de m'avoir mis euh, le pied dedans. Euh, Frost Even va déjà faire assez de. Bah ouais, pff, oh ol ol, Frost Frosthaven ça va être une misère sociale ce truc là aussi. Moi j'ai pas pris, hein, c'est pas possible. Ne prends pas ces trucs là parce que j'ai déjà pas le temps de jouer à, des, euh, à faire tous les scénars comme ça. J'ai fait 8 heures là-dedans donc je suis parti un peu loin. Mais bon, là, la campagne elle est pas ouf, hein, c'est pas non plus euh, un truc de, de, de malade. Mais, euh, mais Frosty c'est pas possible. Et du coup, Ghost Fra, non, j'ai pas plégié, pas fan de Marvel et trop peur des frais de port. Bah, carrément, parce que moi j'en ai eu pour quand même 900 euros hein. et j'ai pas pris Galactus. Hein, donc, euh, ça m'a bien piqué celui-ci. Hein. Mais je suis tellement fan de Marvel que j'ai tout pris à part le Galactus. Et c'est peut-être la frustration que j'ai, non pas pour Galactus, mais pour, euh, tu sais, euh, le, le surfeur d'argent. Bah, parce que ces mecs-là, ils sont pas débiles. Ils t'ont dit, ah, il faut prendre Galactus pour le surfeur d'argent, il se vend pas à côté. Ah, du coup, il y en a plein qui ont pris Galactus pour revendre leur Galactus et garder juste le surfeur d'argent. Mais le surfeur d'argent, je le vois d'ici sur Board Game Geek et sur eBay, etc. Oh, le truc, il va se vendre à. Ça va être 200 balles la figurine, si ce n'est plus, hein, une figurine comme ça. quoi. Donc c'est un, un peu chiant. Or que Quest, tout à fait, ça, ça va être bien aussi. Euh, et puis bonsoir à toi, ça fait plaisir de t'avoir. Et tu me dis quoi, Bergami Je vois de loin, je suis désolé, je suis en train de faire le contorsionniste comme ça. Et puis ta 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 ta, le futur monolithe Batman, mais oui, tout à fait, ça va être bien ça aussi. Mais après, c'est un jeu... Moi j'ai mis 8 sur le tête, dont je, je vous spoil un peu. 8 pourquoi Parce que alors, très sincèrement, c'est un jeu, euh, si c'était pas Marvel et qu'il y avait autre chose euh, comme thématique, je pense que j'aurais pu mettre, euh, je pense très sincèrement, 7. Parce que les options sont sympas et ça colle vraiment, tu sais. Enfin, euh, vous savez, pardon, tu sais, je pense que vous êtes nombreux, donc vous êtes quand même une quarantaine, cinquantaine, je vous dis vous. Mais sans la thématique, ouais, 7, ça suffit amplement. C'est très basé sur l'action. Si les zombicides euh, vous, vous donnent... Euh... Pas trop de plaisir sur l'action c'est plus la simulation enfin la simulation avec des gros guillemets comme ça mais c'est plus le côté survie etc et que vous aimez pas trop vous êtes plus dans le brinage. Euh, ça, ça va ça va plus vous plaire mais très sincèrement si vous m'enlevez le marvel euh, moi la deuxième édition elle me va très bien avec le côté euh, jour nuit des extensions les campagnes le côté narratif ça marche ça marche mieux donc euh, voilà hein, très sincèrement euh, si vous n'aimez pas euh, l'univers des super héros et des, et des marvel surtout euh, n'est pas là dedans hein. sachant que vous pouvez jouer même le côté des héros qui vont taper des, des zombies entre guillemets Très sincèrement ça je n'aime pas. Je pense que moi je vais faire une, une chose à la civil war, c'est-à-dire jouer l'ensemble des super-héros en humains, et puis que avec des agents du shield. C'est tout. Je vais pas mettre de zombies, j'en ai rien à cirer. Et puis je vais faire des, des customs de, de scénar. Et ça va être une sorte voilà, de super-héros qui vont se battre avec des super-héros. Je pense que ça va être très sympa comme ça. Voilà. Ce, ce sera pas, euh, ça sera plus simple pour moi. Quoi qu'il en soit, on revient. Eux vont faire euh, ça directement. Ils arrivent. Lui il arrive là. Eux vont faire 1 et 2. 1 et 2, lui va faire 1 et 2, il se met là, et hop, tous ceux-ci vont arriver, hop. Donc là, on commence à avoir quand même pas mal de monde, hein, mine de rien. Elle est un peu compliquée, hein, là-dessus. Merci à Budge Cassidy Ah là là, j'aime ce pseudo, Budge Cassidy Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien, on est en train de jouer à Marvel Zombicide. Tout ceci est fini, on augmente la fin, un nouveau tour commence. On est à 3 ici, on est à 1, on est à 3 ici, et on est à 1... Euh, de l'autre côté qui se trouve là-dessus. Et ben je vais essayer de faire le Mighty Punch là-bas, hein, parce que c'est un peu compliqué. Donc elle a Captain Marvel, elle a 3D plus 2, ça fait 5. Sachant que j'ai bien lu, ce ne sont pas des relances, ce sont vraiment des dés euh, supplémentaires, c'est extra dice. Et je lance ça, je fais 6, 5, et voilà, donc je fais grosso modo quatre touches, euh, donc j'en fais deux et 2, hop. Et deux. Oh là 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 là. Attendez. Donc je garde les quatre touches quand même. Bon j'avoue ça m'arrange aussi. <laughs> Mais j'ai oublié de, de générer. Hop, j'en mets deux spécialistes de l'autre côté. Donc j'ai deux spécialistes qui sont ici. Je suis au niveau orange. Donc les deux paf sont directement là-bas. Ensuite j'ai en dessous. Ah eh ben voilà des gardes qui font une action supplémentaire. Donc ça ça change tout. Pourquoi Parce que ce garde là vient là et ces deux gardes ici. Eh bien ils vont attaquer. Donc je vais les prendre directement peut-être euh, sur euh, la guêpe. Donc je vais en prendre une sur la guêpe. Et à chaque fois que je suis touché, je peux augmenter ma fin pour lancer un dé. Donc j'augmente ma fin, je suis à 4. Hop. Et alors est-ce que c'est à la fin du tour qu'on prend la blessure Non, c'est à la fin de notre tour. Je crois. Ta, 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 ta. Euh, ouais, c'est à la fin de notre tour. C'est exactement ça. Donc là, c'est pas la fin de ma tour, donc je suis bien. Je vais lancer un dé 3. Non, bon voilà bah, là je vais prendre un dégât. Et l'autre dégâts je vais le donner. Ah oh là là c'est chaud, je suis à 3 et 3 des deux côtés là. Oh là là seigneur. Et eh ben je vais le... Oh c'est chaud. Et eh ben je vais le donner à la guêpe. La guêpe parce qu'elle peut faire des attaques à distance. Donc c'est plus simple. Donc là, attention, 2 dégâts, je mon scénar, mon scénar est totalement fini. Hein. Et là, c'est facile comme, euh, comme truc. Donc 4, j'enlève déjà ces deux là. Avant de faire ça... Oh là, bah non, c'est bon. J'ai tiré ma carte, il me faisait activer les trucs et j'avais mis deux mecs là-bas. Donc là, je prends deux. Donc de neuf, je passe à 11. Ensuite, euh, je vais essayer du coup... Ah oh là là Ah, ces petits trucs de merde Je déteste ça, là. C'est naze, c'est chiant. Ensuite, il me reste deux actions. On est d'accord. Eh bien, les deux actions, soit je m'enfuis, ou soit je, je le dévore pas parce qu'elle, elle a besoin de dévorer quelqu'un. Et bien pour deux actions je vais mettre là-bas. Voilà, 1 et 2. On va jouer ensuite la guêpe. La guêpe qui va du coup... Euh, Est-ce qu'il me restait une action Un j'ai attaqué. 2-3 euh, je suis là-bas. Et ensuite 4, je pourrais prendre ça qui me donne 5. Et je serai du coup à 5. Euh, je serai à 16. Bon je vais le faire comme ça. Parce que c'est quand même le scénar, donc il faut faire des trucs. Et je suis à 16. Autant dire qu'avec elle, je vais peut-être essayer d'arrêter les trucs. Avec l'autre, je vais dévorer, donc je vais lancer 4 dés plus 1. Ça fait sur du 4. Et euh, eh ben je dévore du coup. Tac. Alors quand vous dévorez, vous ignorez tout ça. Hein. C'est pas grave. Hein. Ça, Vous l'ignorez. Donc je dévore ce garde. Il me reste encore 3 actions. Une action, je fais ça. Deuxième action, je vais tirer. Donc je vais lancer 2 dés. 3 plus. Et eh ben non, j'augmente ma fin de 1 et je tue quand même quelqu'un. Donc je suis à 9. Et la dernière action que je vais faire, c'est encore tirer. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Donc là, cette fois-ci, je vais lancer 3D pour tirer, parce que j'ai 1 dans ma fin. Et du coup, attention, eh bien je fais 3, c'est bon. Hop, ça c'est directement fait. Et j'augmente de 1, je suis à 10. Donc ça c'est bon, on a quand même euh, enlevé pas mal de trucs. Euh, Qu'est-ce que vous dites elles sont belles les figurines. Oui, les figurines sont très 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 sympas, vraiment. Les figurines sont super cool. Euh... Alors, c'est toujours compliqué pour te répondre sur les figurines peintes parce que je vois ton commentaire de loin. Euh, alors, tu, tu as vraiment raison. Il y a certaines figurines qui peintes sont vraiment dégueulasses. Je ne sais pas si c'est. Alors, très logiquement, c'est la qualité de peinture aussi. Et c'est les photos. Quand tu as des photos, tu sais d'une figurine peinte. Ça dépend de, de, de quel objectif euh, tu, tu prends la photo. Donc il y a plein de, de critères hein, qui te montrent. Moi, si je te montrais des, 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 des photos vraiment de, de figurines, mais vraiment pro, qu'on m'a peint le truc, tu vas voir que c'est joli, mais tu vas dire Ah, mais il euh, y a peut-être ça, machin. Et ça joue énormément. Et quand tu l'as, en fait, et c'est posé sur la table, et tu es à 50 cm, tu sais, et tu vois ça d'en haut, euh, ça rend super, super bien. Mais on est obligé de te faire des petits zooms, parce qu'il faut voir les détails, machin. Et effectivement, des fois, à part si tu es euh, Géraldès, et là, tu fais euh, des trucs de ouf. Mais Effectivement, ouais, des fois c'est peut-être un peu complexe de voir, mais très sincèrement, elles sont belles, hein, vraiment. Hein. Le socle texturé et tout, il euh, n'y a pas trop de, de trucs à enlever de, de lignes de moulage. Euh, non, non, elles sont super, super classe. Moi, j'aime énormément. Après, effectivement, le, le, le fait de d'aimer un truc et l'autre va dire, ouais, je les trouve pas classe. Bah, qui a raison, qui a tort, mais ouais, elles sont très fines en tout cas, bien détaillées. Certaines sont peut-être ratées. Moi le Iron Man il est raté, j'aime pas. Le Hulk, je le trouve très classe. Tous les euh, survivants, je les trouve classe aussi. Je vous les montrerai ensuite si ça vous intéresse pour, pour, pour vous montrer un tout petit peu ce que ça peut donner. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait J'ai pas joué ces deux-là, hein, on est d'accord. Donc euh, je vais jouer. Alors, est-ce que je fais un truc de porc comme ça là euh, C'est-à-dire je prends... Euh, je tape ce mec-là, je fais un taunt, j'augmente du coup... Euh, alors, du nanana, je sélectionne une zone à deux, ta, 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 viens chez OAM. Donc du coup, je pourrais ramener ces mecs-là. Ouais, je vais essayer de faire un taunt. Je vais tous les ramener et puis essayer de, de taper dessus. Je fais un taunt avec Deadpool. Tac. Donc j'enlève. Je le mets ici. Et je ramène ces mecs-là ici, donc de deux zones. Paf. Je les ramène ici. Et là, comme ça, je vais essayer de taper quand même pas mal de monde. Parce que j'ai quand même 4 actions avec lui. Première action, je tape. Donc j'ai 3 dés plus 1, ça fait 4. 4 plus. Donc je lance les dés. Ouh là, 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 là la fin elle augmente à 3. Là. Donc vous voyez, donc 4 plus déjà c'est foutu. Et j'augmente ma fin à 3. Donc je passe tout de suite à 4. Donc là, il faut que je dévore quelqu'un. Donc deuxième action, bah, je dévore quelqu'un. Je vais lancer le dé. Hop hop hop. Donc là, je dévore bien quelqu'un. Hop ça. Je suis désolé, je vous les ai laissés. Je dévore bien quelqu'un, je vais prendre du coup euh, celui-ci et je vais passer à 0. Ça, c'est ma deuxième action. Troisième action, on va repartir encore une fois sur 3D, c'est sur du 4. Euh, je fais 5 et machin, donc j'enlève celui-ci, pardon. J'augmente ça, bien sûr, hop, à 2 en ayant dévoré et attaqué quelqu'un. Donc, j'ai fait quoi J'ai fait une action, il y a eu du loupé. Ensuite, j'ai fait une action dévorée. Troisième action, bah j'en ai quatre maintenant. Je vais lancer du coup, eh bien, euh, 3D pour essayer de taper. Donc, eh non, je tue juste quelqu'un et puis j'augmente ma faim. Et puis, pour l'autre, Captain America est à 1. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de, pareil, de, 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 de le tuer encore une fois. Donc, hop, je vais lancer 4D. Et là, oulala, oh là, là là là, je le tue, mais ma faim augmente à 2. Ouf, 1 et 2, et je suis à 3, donc ça tient encore un peu, mais euh, mine de rien, au prochain truc, il va falloir que je mange quelqu'un. Euh, merci Univers Board Game pour ton follow, bienvenue sur la chaîne, nous sommes en train de jouer à Marvel Zombicide. Euh, non, le taunt ne compte pas comme une action, parce que on te dit, grosso modo, hop, on te dit que durant euh, ton tour, tu sélectionnes une zone qui a deux de portée et tous les ennemis sur cette zone, eh bien, euh, bougent vers ta zone. Directement, donc non, 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 bah t'imagines, ça serait trop dur. Ça veut dire que tu prends une action pour prendre un trait et tu dépenses une action pour faire ce trait. Euh, pff, ça serait quand même là, il faut que ça soit un peu rapide. Hein. Très sincèrement, ils sont partis au plus, plus, plus rapide dans ce jeu là. Hein. Ils sont pas pris la tête en disant il y a un peu de, de synergie, de machin avec les actions, etc. Donc euh, non, non, mais tu fais bien, hein, parce qu'il y a, euh, a peut-être certaines capacités où effectivement, euh, ils te disent directement, il faut que tu fasses ça, utiliser une action. Mais j'en ai pas vu. Donc euh, j'ai un peu vu les traits de zombies, il hein, n'y en a pas des masses. Ensuite, je prends Captain America, je fais 1, 2, 3, je prends ça. Ça me donne 5. Donc je suis à euh, 14. Hop, il me reste quoi pour euh, gagner le scénar 14 euh, en fait il me reste à prendre ça, récupérer ça, dévorer l'autre, et on sort et c'est bon. Donc on est nickel. Tout le monde a joué, donc j'ai fait 1, 2, 3, j'ai pris, et 4 je me remets là-dedans. Eux vont bouger. 1 et 2, 1 et 2, et au-dessus, eh bien, on va commencer à générer. Donc au-dessus, on génère, hop, deux gardes avec le rush. Donc ces deux gardes-là vont venir ici directement. Et en bas, on va générer... Oh il y a un super héros encore une fois Et qui arrive ce tour-ci et c'est Spider-Man! Alors, Spider-Man, il vient euh, dans la zone la plus proche avec un héros zombie. Donc, on, voilà, et là, il y en a plein, donc on doit choisir quelqu'un. Alors, Spider-Man est ici. Donc, lui, en fait, il apparaît directement. Il, il fonce direct. Oh, je vais le mettre là. Voilà, oh, je vais le mettre là. Oh, c'est pas mal. Spider-Man in the closest zone with a. Zombie héros. Alors on pourrait le même mettre là pour dire que voilà. Bon on va le mettre là parce qu'on est obligé de sortir. Il vaut mieux quand même compliquer un peu les choses. Euh, Spider-Man il a 4. Et 4 ça commence déjà à taper. Hein. C'est pas la même chose. Hein. 4 c'est un peu chaud. Euh... Oh là 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 là. Et B euh, ok. Donc on va essayer de, de taper tout ça. J'augmente bien évidemment la fin. Donc là déjà j'ai Captain Marvel qui a faim. Et il va falloir que vraiment euh, j'aille bouffer quelqu'un. Et je ne peux pas ouvrir, je suis obligé d'aller euh, manger et tout. Elle, elle augmente de 1. Euh, Deadpool, pareil, il doit manger quelqu'un. Et Captain America, il augmente aussi de 1. Je vais peut-être dévorer euh, avec euh, Deadpool ici. Euh, je vais peut-être dévorer, euh, si je peux, euh, le Spider-Man. Je vous montre si vous voulez Spider-Man, il est un peu comme ça moi j'aime pas trop Spider-Man Enfin euh, le, le, le super j'aime bien mais la, euh, la posture là avec ses je sais pas avec ses fils, sa toile je trouve ça euh, <coughs> je trouve vraiment ça moyen, c'est une des ratées par exemple pour moi Spider-Man alors j'aime bien le perso je sais pas ce que vous en pensez de la pose regardez, je sais pas moi je, je pensais qu'il allait venir un peu comme ça tu sais un truc euh, tête en l'air et tout Pff, ouais j'aime pas ça j'avoue j'aime pas trop, le Spider-Man est un peu un loupé euh, pour moi Amis du soir, bonsoir, bonsoir Max, j'espère que tu vas bien. Donc, je prends Deadpool, je fais 1 ici en 2, je prends 4D plus 1, ça fait 5 pour essayer de dévorer. Et je dois faire ici, eh bien, 4 4 touches. Donc, je dois faire 4 fois euh, 4, c'est compliqué. Euh, ah bah, eh bien bah non, et eh ben bah super, je le dévore maintenant. Putain, la chance que j'ai. 4, 4, 4 et 5. Je le dévore, je réduis à 0, hop, mon truc. Et là, par contre, je prends 4 points supplémentaires. Donc, de 8... Je vais passer à 12. Hop. Eh ben il a pas fait l'enfeu, le pauvre Spider-Man. Il est venu, il est aussi vite reparti quoi. Il a un insecte. On a une araignée. Le mec, il est. pas. Bah il l'a tapé directement. Donc ça me fait 1. 2, j'ai dévoré. En 3, est-ce que je viens directement dans la mêlée Après, je peux remonter en haut, etc. Bon je vais faire ça parce que. Là j'ai peur d'être coincé. Euh, un peu compliqué. En 3 je viens là. Et en 4, eh ben j'attaque. Donc je dois lancer 3D, hop, et faire du 4 ⁇ Allez, double katana. Eh ben c'est pas mal, j'en tue deux. Paf, paf, paf. Voilà, donc 2 c'est déjà pas mal. J'augmente de 2, je passe à 14. Hop, et j'augmente surtout ma fin, et eh bien de 1. Donc je mets ma fin qui se trouve ici directement. Euh, je vais jouer Captain America, après je vais essayer de le sauver un peu. 1, 2, 3 et 4, je vais attaquer. Euh, il a 2 en plus, donc il a 2 dés, donc ça fait sur du 3. 3, c'est parfait, j'en tue 2. Paf, allez, c'est parti. Je suis à 16. Il est trop fort. C'est un Lavenger Zombie. Alors hop, je le mets là-dedans. Euh, avec la guêpe, je vais essayer moi d'attaquer à distance. J'ai 2D plus 2D, ça fait 4D. C'est sur du 3. J'augmente ma fin de 1 et j'en élimine 2. Et là, je suis à 12. Donc ça, c'est ma première action. Euh, ma deuxième action, ça va être de me mettre ici. Ma troisième action, ça va être d'attaquer, je pense. Et je vais avoir 3 dés supplémentaires. Alors, attends. Non, non, là, c'est un peu la merde. Pourquoi Parce que, admettons que ça ne marche pas. Je me retrouve avec une fin à 4. Et du coup, je vais réduire mon truc à 1. Et si j'ai un malheur, un truc drop directement sur ma zone et m'attaque, je meurs automatiquement. Donc avec elle, euh, j'ai fait 1, 2, je vais faire 3, et en 4 je vais prendre un trait, on ne sait jamais. Opportuniste, je peux défausser cette carte avant d'attaquer, j'augmente ma fin, plus 1 dé pour chaque euh, plus un, euh, au dé pour chaque euh, résultat que vous faites sur cette attaque. Donc grosso modo d'accord, ok. Eh ben c'est pas mal ça, en plus à distance, donc je vais laisser ça là. Ensuite, j'ai du coup, eh bien, Captain Marvel, mais elle est à la fin, du coup, ça va être compliqué. Elle va faire du coup 1, 2, 3 et 4. Oh là 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 mais qu'est-ce que je vais prendre avec elle, c'est terrible. Et heureusement qu'elle a le Quick Bite, durant, eh bien, ce tour, je peux défausser cette carte pour faire une action gratuite euh, pour dévorer quelqu'un. Et eh bien, heureusement, parce que sinon, c'était la misère. Donc, j'ai 4 dés, plus 1, ça fait 5, et je dois faire 4 ⁇ Attention. Oh, j'ai eu un 6, là mais la chance quoi. Donc je dévore et du coup, pff, je passe à 0. Et là je vais me prendre quand même un dégât, hein. lui il va me mettre un dégât dans les dents. Et j'augmente de 1 parce que pour moi, il n'y a pas de raison, c'est pas quand on attaque quand tue quelqu'un qu'on machin, donc quand on dévore quelqu'un, on doit aussi avoir un truc. Et ben et puis c'est bon. Donc là on fait le tour des méchants. Je suis à 2. Oh là, ça commence un peu à piquer avec elle. Hein. Et ensuite on fait la génération. Donc au-dessus, nous sommes oh là, ça et ça commence à 8. 8 troupes d'agents. Tac. Donc il y en a 2 ici. Il y en a ensuite 2 là-bas. Ça fait 4. Il y en a ensuite 2. Oh là 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 là. Et il y en a ensuite ici. Oh la vache là, ça commence à. Une grosse troupe qui arrive. Hein. Et en bas, on va en avoir combien euh... Tac. Une activation pour tous les super-héros. Bah eh Dieu merci, il n'y en a pas. Donc sinon c'était un peu mal dégoupillé ce truc là. C'était un peu chaud. Un nouveau tour commence, du coup on augmente la fin ici, là on l'augmente aussi, là on l'augmente aussi, et là on l'augmente aussi, du coup bah, la guêpe elle va tout faire pour manger quelqu'un et là ça va être un peu compliqué parce que si je la ramène là-bas là, papa là, papa 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 elle va se retrouver avec pas mal de personnes. Euh, ah là 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 là, là. j'ai pas vraiment en plus le choix là. Je peux pas ouvrir, ou alors faut que je prenne Captain Marvel, de faire un, deux, un, deux. 3, 4 ouvrir, générer quelqu'un ici, avec la guêpe venir et manger. Mais elle n'a pas beaucoup de points de vie, c'est terrible. Voilà, mais c'est toujours mieux que de l'envoyer là-bas au casse-pipe, là. Parce que là, il va falloir faire 2 dégâts là-bas, c'est chaud. Euh, po, 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 po. Bon, je vais faire ça. 1, 2, 3 et 4, j'ouvre. Et 4 j'ouvre. C'est un peu risqué parce que si je me chope des, des, des activations en plus et tout, je me fais tuer rapidement. Mais là, euh, j'ai pas tellement de choix, mais je suis obligé de faire ça. Allez, bon, vas-y, de toute façon, c'est fait, je vais pas revenir en arrière. Bon, on a deux gars, et en plus, ils ont le rush. Bon, ça m'arrange un peu, entre guillemets. Et ensuite, on a le dernier bystander qu'on doit manger, donc le dernier citoyen, qui est Betty Ross. Alors, elle est où Betty Ross, la petite scientifique, qui se trouve ici. Et eh ben, on a juste à la dévorer et puis sortir et puis prendre. Euh... Ah non, mais j'ai oublié, il y avait ça aussi. Oh là là, quel merdier, c'est pas possible. Oh là là, bon, quelle misère sociale. Et eh ben, du coup, euh, bah, je suis obligé de dévorer avec euh, machin, là. Ah, oh, c'est chaud, hein. Ça va être compliqué, là. C'est hein. un peu le. le... Peut-être perdre à ce d'ailleurs. Ça va être un peu la, la misère. Euh. Alors qu'est-ce que vous mettez Beganix, pas convaincu pour ma part, désolé, bonne soirée, à très vite, mais oui à très vite, bien sûr. <laughs> je suis pas riche. Je suis pas riche. Je suis milliardaire, c'est différent. Euh, non mais après je comprends absolument qu'on est qu n'aime pas le truc de dévorer machin. Il y en a qui ont vraiment pas aimé parce qu'ils ont, ils ont pas trouvé ce côté un peu euh, euh, survivant machin. Et il y en a qui ont adoré, qui n'aimaient pas le côté un peu des zombies, d'ouvrir la porte avec 6 actions, et qui ici est plus simple du coup. Euh... Franchement, ça se vaut les deux. Hein. Donc, il n'y a pas un qui a tort, l'autre qui a raison. C'est par rapport à ce que vous aimez. Euh, merci Nemesis7650 pour ton follow. Nous jouons et bienvenue sur la chaîne à Marvel Zombicide. Euh, du coup, bah, je vais essayer de faire ça. Hein. Je vais dévorer avec euh, la guêpe. Euh, la 4D, 4D plus 1. Euh, ça fait 5. Je dois faire euh, bah, plein de fois 4. Et bien, j'ai 6-4-4. Donc, c'est bon. Je dévore ce mec-là. Hop, je passe à 0. Je gagne 1 point. Euh, tac donc ça c'était ma première action. Ensuite je fais 2-3 et 4 je me remets ici quoi Parce que sinon j'ai peur avec elle Ah mais l'autre je vais la laisser toute seule ça va être la misère Ah euh, ouais, mais non mais en fait je suis obligé de rester parce que elle, elle peut se elle peut ignorer la touche Donc je vais rester là et je vais essayer d'attaquer en fait hein. euh, Je vais essayer d'attaquer donc une action j'ai fait ça Deuxième action euh, j'ai 2 dés Et je vais essayer du coup Ah non ça marche pas euh, ensuite euh, Je vais faire opportuniste parce que c'est plus simple j'ai peur de pas le toucher Opportuniste qui me donne plus 1 à m'aider Du coup euh, c'est ma troisième action je lance J'augmente ma faim Oh ça marche pas j'ai fait ça pour rien donc je l'augmente, elle est à 2. Euh, merci euh, Atarix pour le follow. J'espère que tu vas bien. Gétorix, pardon, Atarix. Je vois très mal, excuse-moi, de loin, regarde. Je suis en train de me pencher là pour voir. Et en plus, je... ce petit truc là, je... le sweat me dérange un tout petit peu. Donc merci beaucoup, bienvenue. On est en train de jouer à, à Zombicide Marvel. Euh, du coup, bah, j'ai fait ça pour rien. Euh... Une, deux, trois, je réitère la chose. Oh là là, c'est pas possible. Tu vas voir que c'est celui-ci qui à mettre dedans. Ah Double 6, c'est bon ça. Tac. Et la dernière. Hop. Et eh bien la dernière, je vais essayer de rentrer ici pour la bouffer. Merci à euh, Guest1512 pour ton follow. Bienvenue. On est en train de jouer à Marvel Zombie. Euh, ça, j'ai tout fait. On est d'accord. Il reste plus rien. Ensuite, je vais essayer avec lui. Donc je vais faire 1, 2. J'ouvre la porte ici. Paf. Je la casse. Je vais prendre un petit truc ici. Elle est où la porte Est-ce qu'il y a une porte ici d'ailleurs Mais il n'y a pas de porte, c'est terrible oh, il va falloir que je contourne. Oh là 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 Je vais contourner. 1, 2, 3 et 4. Et Captain America, il va faire 1, 2, 3 et 4. Je vais prendre un nouveau trait et je vais du coup enlever ça. Je m'en fous de ne pas être euh, machin, ça ne me sert à rien. Je vais prendre un nouveau trait ici euh, qui est insatiable. Euh, après l'attaque, je peux augmenter euh, ma faim. Et ensuite, je relance n'importe quel dé. Donc, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Si vous voulez relancer pour dévorer quelqu'un, machin. On a fini. Du coup, ceux-là vont arriver ici. Ça y est, là, c'est le, le moment où ça commence un peu à, à envahir le, le, le plateau. Sachant qu'on doit sortir à côté. Donc, normalement, on est, on est plutôt bon. C'est pour ça que je le laisse tout le temps à la fin, celui-ci. Hein, un peu mal euh, qui, qui arrive. Ensuite, on va générer. Alors, oh là là, tous les troupes ont une action supplémentaire. Ok, bon, bah, super. S'ils viennent encore chez nous, ça va être un peu compliqué. Donc, ils sont tous là. Et l'autre, ça va être. Eh bien, trois troupes en plus. Donc, les trois troupes, on va les prendre là. Tac. Et tac. On va les mettre là. Et ensuite, ici. Paf. Qui se trouve directement. Là-dessus, on augmente la fin. Nous passons à 3 pour Deadpool. Nous passons à 2 pour Captain Marvel. Euh, Captain America a très très fin, Donc lui, il va aller dans la mêlée. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas ce bordel. Rah, là, 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 là. Euh, merci. Pardon, je n'ai pas vu qui a venu. Merci. Euh, attends, attends, je regarde. Je fais le contorsionniste à Axel. 27100 pour le follow. Bienvenue. Et eh bien, Cyril de Facebook. Eh bien, euh, bienvenue aussi. Mais j'ai pas fait de l'aide de menace C'est pas mais vous n'avez pas honte de mentir ouvertement aux gens comme ça en direct Non j'ai pas fait de l'aide de menace Tac 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 Euh Bah t'as peut-être mal lu une carte c'est possible Mais de quelle alors mais tu parles de quoi Comment ça à distance Mais quoi à distance du coup Alors attends euh, po, 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 po po Ah oui, mais alors Wanda, alors Wanda, je sais pas, j'ai pas, pas joué. Euh, tu parles de euh, bien évidemment de Scarlet Witch, mais j'ai jamais eu dans mes parties donc je sais pas du tout euh, euh, ce qu'elle fout. J'avoue que j'ai même pas eu en plus la curiosité d'aller euh, euh, voir directement. Euh, ça ça m'embête ça parce que franchement euh, c'est très compliqué hein donc il faudrait que je joue elle pour venir ici pour faire du dégât partout. Mais elle n'a que deux. Si elle se loupe sur tous les trucs et que lui il se loupe sur tous les trucs, c'est la fin de partie. Mais euh, oulolo. lolo. Pop lolo. Oh lolo. Euh, pop 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 pop. Alors, attendez. Est-ce que je peux sortir un mec, même s'il reste des gars Parce que ça, ça m'arrangerait. Je bouffe la, na, la, la nana là avec la guêpe et je sors directement. Ça, ça m'arrange ça. Alors, est-ce que je peux sortir Qu'est-ce qu'on me dit ici je regarde un tout petit peu en même temps avec vous, comme ça ça vous permet de voir. Euh, alors, dévorez tous les citoyens. Ok, prenez tous les objectifs et ensuite euh, quittez avec l'ensemble des zombies. Euh... Ok, donc en fait on peut quitter à la fin de notre tour si on est sur la case exit et s'il n'y a pas d'ennemis, pour une pour zéro, quoi, donc euh, on n'a pas besoin de faire une action pour sortir. Euh, C'est plutôt pas mal parce que si je dévore, je fais 1, 2, 3, je m'arrête là. Où je fais 1, 2, 3, j'attaque. Et 4, je m'arrête là. Moi, bon, je vais faire ça. Parce que j'ai peur quand même. Là, ça 3, ça devient compliqué. Je vais essayer de la dévorer du coup. Donc, je suis à 3 plus 1, ça fait 4. Et je dois faire 4 plus. Et bah, ben, c'est bon. Je la dévore directement. Ça, je m'en fous. Je la prends pas. C'est pas la peine. laisse ici. Rien si, à cirer. Et du coup. Ah, il reste l'objectif. Mais oui. Et bah, ben, je vais prendre aussi. Ah, attends. Oh, 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 oh si je prends l'objectif, je suis à 15 avec elle. Si je prends l'objectif, c'est terminé, hein, parce que je passe en orange, et là c'est la misère. Donc je ne prends rien, je fais 1, je fais 2, je fais 3, je tire avec 3 d euh, supplémentaires, et 1 ça me fait 5, c'est sur du 3 ⁇ Oh là là, j'augmente ma fin à 2. Oh non, c'est pas vrai, et eh ben voilà, voilà, comment jouer comme un pleutre et faire n'importe quoi, et puis ne même pas voir des trucs. Bon, j'augmente ma fin à 2, ce qui me fait passer enfin insatiable. Euh, je fais 3, 4 et 4, donc j'en tue quand même un ici, donc ça fait... 2 touches, 3 touches, pardon, j'augmente du coup à 2, je suis à 16 et 17. Ensuite, euh, donc j'ai fait 1, 2, 3, et ben voilà, et ben voilà, commence se prendre un truc. Quatrième action, elle est ici, parce qu'à la fin, du coup elle est obligée de venir là. Bah Captain America, vas-y, va dans la foulée et puis mange, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Euh, ça ne sert à rien, quoi. Euh, j'ai 4D plus 1, ça fait 5, et donc c'est sur du 4 ⁇ eh ben c'est bon, j'en mange un. Tac. Donc j'augmente, je suis à 17. Tout ceci passe à 0. Ensuite, euh, je peux euh, pareil. Euh, discard language hunger. Bah, euh, euh, non, non. Ok, ça on s'en fout. Donc je vais du coup euh, lancer 2 d et 3, pour essayer de, de taper le maximum de gens. J'en tue un. Donc ça me fait 18. Ah là là, je suis au bord du précipice. Là, c'est chaud en fait. Hein.

Euh, Qu'est-ce que tu as dit? Euh, Scarlet Witch n'affecte que ta zone. Donc, si tu l'attaques dans une zone voisine, ça marche avec Iron Man et la guêpe. Euh... Euh, ouais, bah non, mais franchement, euh, quand, encore une fois, de toute façon, j'ai jamais la science infuse. Quand je vous dis que c'est bien, vous pouvez y aller. C'est par rapport à mes goûts. Si vous ressentez par rapport à mes goûts, bah allez-y, euh, vous allez aimer. Mais vous pouvez très bien me dire non, j'aime pas trop ça. Et franchement, vous avez raison. Hein. Moi, je vous dis pas que c'est le jeu exceptionnel. Moi, je l'aime énormément parce que bah c'est Marvel, très sincèrement. Et les figurines sont jolies. Et ce système de fin, j'aime beaucoup. Mais je sais que d'autres personnes vont pas aimer ce système de fin parce que euh, ils sont pressés dans la partie. Ah, mais j'ai ça, je dois gérer, machin. Donc, moi, j'entends tout. Hein, donc, il n'y a aucun problème. Franchement, euh, et, euh, ça, vous avez à la fois raison et euh, des deux côtés. Donc, euh, prenez pas trop la tête. Donc, j'ai fait un. Je suis venu dévorer avec Captain America. Ensuite j'ai tapé. Ensuite je vais retaper en 3. Donc ça me fait euh, 2 D euh, directement là-dessus. Oh je fais 6 et 6, c'est formidable, j'augmente pas ma fin. Paf Par contre je passe en orange là. Je suis à 20. Alors en orange, Captain America il gagne quoi Captain America en orange il gagne ricochet. Euh, une fois durant votre tour, après avoir attaqué avec euh, votre bouclier, vous pouvez faire une attaque gratuite de bouclier avec euh, justement une distance jusqu'à 1. Donc vous le lancez en fait. C'est plutôt pas mal, je vais faire ça de façon en dernière action. Euh, je vais encore eh bien, taper avec 2D, 3, et eh ben c'est formidable. Voilà. Et je vais faire gratuitement, eh bien, pour le dernier. Donc je pourrais. Eh ben voilà le ménage. Bam Allez, sur 3, je passe à 23. Tac. Et je suis ici. Euh, la guêpe. Eh ben la guêpe, elle a mangé personne. Et pourquoi j'ai tué tout le monde Bah j'ai fait de toute façon j'ai fait, c'est terminé. C'est tant pis pour moi. Je sais même pas jouer et regarder mes trucs. Euh, la guêpe elle a mangé personne Et du coup elle me retrouve dans la merde euh, Je crois qu'elle a bougé en plus parce que c'est à ce tour hein, fait... ben ouais, mais je peux rien faire avec elle de toute façon c'est terminé c'est la merde Bon foutu pour foutu de toute façon 1 2 Vas-y allez 3 euh, Et puis euh, je la fais sortir elle Et puis voilà 4 ouais, je la fais sortir C'est pas bien j'en aurais pas besoin de toute façon je m'en fous un peu euh, je laisse comme ça. Oh là, là là, se déplacer après pour bouffer les mecs. Euh, ensuite, on a lui. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc de 5, il passe à 19. Il est aussi en rouge et il gagne tout de suite. Euh, le Merc avec l'Alf of a Mouth. Donc une fois durant son tour, je peux sélectionner une zone à une portée de 1. Tous les ennemis sur cette zone. Euh, son bouge immédiatement chez moi. Euh, voilà, donc lui c'est plus un taunt en fait qu'il a. Il va taper un peu les mecs. Pourquoi pas Bon, après c'est peut-être sympa. J'avoue que je, je suis pas très friande de ce, ce truc là. Fin du tour, ça, ça part. Donc elle n'est plus là. Hop. Et ensuite, elle, elle perd 1. Il va falloir que je mange quelqu'un sinon c'est la misère. Donc eux viennent ici. Et c'est parti au niveau orange. Donc qu'est-ce que vous me dites Salut euh, Du coup, euh, oh, j'ai du mal à dire ⁇ Attends, je vais... Euh, euh, Carvodion ou Carvodine, je ne sais pas, je vois mal d'ici. Je suis désolé, tu vois, je suis en train en plus de, de faire ça sur la caméra. Parce qu'elle me prend ici. Sinon, je ne vous vois pas quand je parle. Et c'est regrettable. <laughs> du coup, euh, je vais prendre une carte. Oh là là, j'ai huit mecs en haut. Et ensuite, ils, ils, ils ont le, le rush. Donc ils se trouvent ici. Deux. Ça m'arrange. 4. Hein. Euh, hop. 6 et 8. Huit. Et le huitième. Et le huitième qui se trouve là. Tac. Ensuite, en bas, j'ai quoi et eh bien, en bas, j'ai... Euh, spécialiste airdrop. Euh, si je tire cette carte... Alors, vous allez voir c'est quoi. Si je tire cette carte ennemie... Euh, durant la phase d'ennemi, au lieu euh, de les générer ici... Euh, pour chaque héros zombie, je mets un spécialiste dans cette zone. Et ça, c'est sympa aussi. J'aime bien quand ça drop un peu partout. Et ça vous permet de ne pas anticiper. Donc il y en a un ici. Et il y en a un ici. Paf En fait, ils viennent dans l'air. Euh, pardon, mais non, je vous dis pas, il n'y en a pas Il y en a trois, oui. Euh, c'est trois, c'est pas un. Parce qu'on est au niveau orange. Oh là 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 Ça, ça va être un peu la misère, là. Hein. Il va falloir se défaire de tout ça. Hein. Euh, hop Nickel et la fin bien sûr va augmenter chez Deadpool qui va devoir dévorer. Captain Marvel on l'utilise plus, Captain America augmente de 1 et euh, la guêpe elle est déjà au maximum donc ça ne l'affecte pas. On va jouer la guêpe directement, euh, qui va elle essayer de dévorer quelqu'un. Donc hop, ça je l'enlève et je mets ça du coup ici. Je lance les dés, hop, et ben je dévore quelqu'un, donc c'est bon. Ça, ça passe à 18, hop, et ça, ça passe surtout à 0. Donc ça, c'est mon premier. En 2, eh bien, euh, qu'est-ce que j'ai maintenant J'ai le. Non, j'ai pas encore le biosynthétique. Donc ça, j'ai pas. Euh, en 2, eh bien, je vais attaquer. De toute façon, ils sont tous en orange. Donc ce serait dommage de se priver. 6 et 6, c'est parfait. Donc je tue ces deux-là. Je suis à 20. Ensuite, je gagne le biosynthétique Wings. Une fois durant mon tour, je peux dépenser une action pour faire une attaque euh, de déplacement et d'attaque. Et je peux bouger jusqu'à 3 zones en ignorant les ennemis. Wow, oh, c'est fort ça hein ça c'est bien ça. Euh, et ben du coup euh, euh, Tac tac tac. Non mais c'est une action pour bouger, pas pour attaquer. Je vous dis des conneries, pardon. Donc j'ai fait un, j'ai fait deux. En trois ensuite, je vais attaquer de ce côté. Donc j'ai 3 dés. Non pardon. J'ai 2 dés, c'est 3. Eh ben c'est bien, j'en tue 2. Tac. Je suis à 22. Et avec mes ailes, et eh bien je me barre. De oh là là. Bon, toute façon, je m'en fous, je me barre, je sors. Et je peux avancer de 3, 1 et 2 et je reste là. Donc nickel, elle ah a lavé qu'un point de vie, on est bien. Ensuite, avec Deadpool, eh bien, je vais dévorer. Donc j'ai 4D plus 1. Et eh bien je dévore, je prends ça, euh, je suis à 0. Mais je crois que j'ai gagné le scénario. C'est bon, là. regarde. Je fais 1, 2, 3 et 4. Et avec lui, je fais 1 et 2. Et eh bien directement, voilà, ah j'ai gagné directement le scénario. C'est fini, donc je sais pas combien de temps on a mis, on a mis 1h18. 1h18 pour un scénario qui est le tout premier, euh, qui s'appelle, euh, je sais plus quoi, parce que euh, très sincèrement, euh, moi la campagne elle est naze à l'intérieur. Vous avez le tutoriel qui est celui-ci, Growing Anger. Et on a fait, nous, celui-ci qui est la fin. Et ensuite, vous voyez, on a la tour des Avengers en deux, qui se trouve directement euh, là-dessus. Est-ce euh, que je vous la fais aussi est-ce que vous souhaitez ça ou alors très sincèrement c'est pas la peine parce que il faut que je recale tout ça donc il faut que je vous remette un un autre stream machin ou alors vous vous faire une partie pourquoi pas parce qu'il est quand même tôt hein mine de rien et vous faire un autre stream sur euh... Euh... et du coup oh, qu'est-ce que je vais est-ce que je vous fais sinon du Marvel Champions Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse du Marvel Champions Donc ça veut dire que je coupe, je range tout ça, et je reviens, euh, je sais pas quand, euh, je reviens dans une trentaine, ouais je pense, une trentaine de minutes, et on fait du Marvel Champions avec euh, un set euh, des, des mutants. Et en même temps, je vous montre Wolverine et puis Storm en préconstruit. Si vous le souhaitez, encore une fois, il y a plein de jeux que je dois vous montrer. De toute façon, je dois faire une partie d'Eleven parce que vous me l'avez demandé. Je dois faire une partie de ça qui est génial. Il faut que je vous le montre, qui est chariot C'est une course de chars à la baignure, euh, comme vous pouvez voir derrière là, hop, où vous allez pouvoir fouetter les gens, etc., détruire des chariots en pleine course. Donc ça, c'est très sympa. Ça, je suis dans l'obligation de vous montrer ça. Et qu'est-ce que je pourrais vous faire euh, Je regarde un tout petit peu des trucs super simples à placer pour ce soir. Je pourrais vous faire du alien bug hunt qui se trouve juste là, là, à côté, Tu vous voyez là. Euh, toc, 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 toc. Alors je lis un petit peu, pardon, ghost. Du coup je me mets comme ça, sinon ça va être compliqué. Euh, non, j'ai pas fait le meilleur scénario. <laughs> j'ai fait le premier. Mais c'est le plus simple. Au moins il fallait montrer aux gens et tout que, que ça joue vite. Et que... Et monter un tout petit peu les principes. Mais celui-ci, voilà, ça reste le plus, euh, le plus classique et le plus rapide en même temps. Um, euh, donc, franchement, comme tu veux. D'ailleurs, petite question hors sujet. Est-ce que tu penses qu'en étant... Euh, qu'étant qu donné les coûts de production des versions standy en carton ou en acrylique, je pense au Disney Arena qui a présenté Tarsa pourrait être l'avenir du jeu de plateau avec figurines, zombicides ou pas Pff. Il y en a. Il y en a qui ont fait des standy. Je pense à, à Ibris où tu as un fan qui s'appelle Pit et qui a fait tous les trucs en standy, mais ça coûte super cher en acrylique. Hein. Moi, je connais pas les coûts de production, tu sais, en, en moulage comme ça. Euh, je pense que tu gagnes plus quand même quand tu moules, parce qu'une fois que t'as fait ton moule qui est le plus cher, t'as juste à balancer du plastoc et tout, et du coup as x figurines. Là où dans le standy acrylique, je crois que tu, ça redessine au laser et tout. Euh... Je sais pas, je sais pas si c'est l'avenir. Moi, moi, je suis sensible au toucher, tu sais. Je préfère toucher des, des figurines que de toucher des standies acryliques. J'ai du mal avec, moi, les, les standies, très sincèrement. Euh, je ne sais pas ce que vous, d'ailleurs, euh, la version de Spin Master, qui sera, je pense, aussi chez, chez Asmode, euh, qui vont peut-être la récupérer, parce qu'ils ont l'habitude de, de bosser avec euh, Spin de récupérer ces trucs-là. Euh, mais euh, non, pour répondre à ta question, je préfère quand même les, les figurines. Après, il faut les peindre. Les standies, du coup, ce qui est bien, c'est que tout est peint. Par contre, les, les figurines, faut les peindre. C'est gris, il y en a qui n'aiment pas le plastique et tout, les couleurs machin. J'entends très bien aussi. C'est des goûts et des couleurs, très sincères. Moi, ça ne me dérange pas de, de jouer comme ça. J'ai passé quand même 8 heures avec des trucs comme ça. Je ne pense pas de façon que je vais le peindre. Parce que les figurines sont super jolies, j'ai peur de me louper. Et, euh, et parce que j'ai pas le temps aussi, c'est crevé. Si je fais tout ça, même euh, au speed painting avec la, de la contraste et tout, je vais mourir. Alors je sais que Vincent, euh, euh, qui est euh, pas Vincent pardon, Julien, j'oublie tout le temps vu que c'est son frère. Euh, Julien Vergonchon qui est une bonne personne que j'aime bien et tout et qui me troll pas mal et que je rigole à chaque fois donc on s'apprécie beaucoup va les peindre etc je pense que je vais essayer de lui dire s'il veut venir parce que moi ça me ferait plaisir de l'avoir ici et de jouer avec lui à rigoler et tout machin et d'avoir sa bonne qualité de peinture parce que franchement il peint vite et il a une qualité de ouf pour du speed painting franchement moi ce mec là il a tout mon respect hein, parce que c'est pas facile de se mettre sur un truc à peindre et puis être là le nez dedans euh euh, donc voilà, je sais pas si t'es dedans, mais si tu regardes le replay, euh, petite, euh, petite pensée comme ça pour toi <laughs> euh, directement dessus. Je, je sais pas, dites-moi si vous voulez du, du deck building, dites-moi si vous voulez du. du comment dire De l'alien qui se trouve ici qui est rapide. Euh, si vous voulez, je sais pas, peut-être euh, le jeu de foutu S, le first and goal qui se joue euh, aussi tout seul. Euh, je peux vous faire ça, je peux vous faire le défi de l'arène tout seul, mais vous l'avez déjà vu. Donc Bug Hunt, vous n'avez pas vu comment, comment ça peut se passer. Sinon, je peux vous faire du hostage négociateur qui est la prise d'otage. J'aime énormément ce jeu aussi. Ou alors du Marvel Champions. Donc voilà, vous, vous me dites directement... Euh, -ce, que, -ce, que, ce que ça donne ah mais c'est toi du coup Julien bravo mais je ne savais pas <laughs> ah, là, voilà donc euh, Julien euh, c'est euh, c'est vargorde et euh, bah voilà bah, tu vois je t'ai fait des louanges hein, à quel point je suis sympathique hein je, je ne savais même pas que c'est toi et pourtant je mets quand même les, les qualités des gens que, que je reconnais assez ouvertement et avec euh, pas, de, pas, de, pas de problème. Euh, pardon, je sais même pas du tout euh, qui s'est euh, abonné. J'ai pas vu, c'est Angel. Alors, pff, je suis désolé, je vois très mal, je suis obligé de me mettre comme ça. Il va me falloir un deuxième écran, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Euh, Angel67, c'est ça Attends, je regarde. AngelCR67, bienvenue. On a fini la partie du coup de, de Marvel Zombie. Euh, je vous fais du Alien sinon, parce qu'il y en a qu'un qui a répondu, mais moi ça me dérange absolument pas. <laughs> mais oui, je suis feignant, moi je le dis ouvertement, je suis très feignant. Euh, donc à tout seul je vais vous faire du Alien, je peux vous faire les deux paquets qui sont où, et qui sont de Marvel. Oh mon Dieu où ils se trouvent Ah ils se trouvent là. Oh, là. Je fais un tour d'équilibre. Euh, ah qui se trouve ici. Je peux vous faire ça du Marvel Champions avec ces deux paquets là. Je peux vous faire du Space Hulk Death Angel en, en jeu de cartes aussi qui marche très bien et qui prend pas beaucoup de temps. Et je peux vous faire du first and goal qui est celui-ci. C'est le jeu en fait de football américain, NFL. Ça c'est des extensions, etc. Mais grosso modo, ça vous permet de, de, de voir ce que ça donne. Je vais juste chercher les gars de, de l'eau. Je vous mets en attente deux secondes avec un écran, un écran assez, assez joli. Et puis après, bah, je reviens pour voir ce que, ce que vous avez dit. Donc Loa je reviens dans 2-3 minutes, sorte de faire aussi un, un petit tour dans les, dans les commodités. Allez à tout de suite. Désolé, <laughs> désolé, j'ai pas coupé le micro. Mais c'est parce que j'étais parti aux comédités, j'avais peur que vous m'entendiez. Du coup, <laughs> je suis désolé. Regardez, euh, pardon. <laughs> euh, du coup, je vous ai dit soit je fais du Alien qui se trouve ici, euh, soit je fais du Marvel Champions avec Wolverine, soit je vous fais du Mini Rogue qui se trouve ici, euh, soit je vous fais euh, du euh, Paf. Je vous fais ça, sinon euh, je vous fais du Space Hulk euh, qui se trouve euh, ici. Euh, je peux vous faire ça en jeu de cartes. Euh, soit je vous fais, je regarde un peu à droite à gauche que vous pouvez faire en solo. Euh, soit je vous fais, ah soit je vous fais du Pandémie Star Wars aussi. Si C'est possible. Je peux vous faire du Pandémie Star Wars. Euh, je je peux vous faire. Euh... Non, y a... mais normalement, y a... vous avez du son maintenant. Arrêtez, je viens de voir vos commentaires. Arrêtez, vous êtes méchants. Vous êtes des vilains. Euh, je peux vous faire du Star Wars, comme je vous ai dit, Pandémie. Je peux vous faire du Roll and Ride sur Vengeance. Oh la vache, alors attendez, parce que là, je vais jouer à l'équilibriste. Est un peu la misère sociale pour moi. Alors. alors attendez, regardez à quel point je me démène pour vous quand même. C'est pas faire preuve d'abnégation. Ah euh, oh, mon dieu. Ah, je peux vous faire aussi du. Oh, alors, attendez, je suis par terre, un peu à la misère. Je peux vous faire du Joe en deck building, qui se trouve là. Je peux vous faire ça aussi, euh, du Joe en deck building. Euh, je peux vous faire. Euh... Je peux vous faire la vaisselle, faire les courses aussi, si vous voulez chez vous. Et je peux vous faire, je pense, ça aussi, c'est pas trop balèze. Euh, je peux vous faire... Je regarde un peu. Je peux vous faire ça. Attendez. Je vais tirer juste le truc. Alors... Pardon, je suis désolé, mais je, dé je coupe pas le son Je vous jure que je n'ai pas coupé le son. Je pense que c'est quand j'ai récupéré une boîte que j'ai malencontreusement appuyé euh, sur le côté. Je suis désolé. Et je remets le son. Je coupe et je remets quand je veux. C'est par rapport si vous vous abonnez ou pas. Donc du coup, euh, si je vois que c'est pas assez, je coupe. Euh, S'il y en a assez, du coup, je, je, je remets. <laughs> Ah là 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 là. Euh, donc, bah, dites-moi, je sais pas, regardez, je, je reste là debout, comme ça, je me pèle en plus. Euh, il, fait, il fait, il fait je sais pas combien de degrés, je sais pas pourquoi, ça ne marche pas mon radiateur là, chez moi. Putain, il est froid, c'est pas possible. Va falloir que j'appelle quand même euh, euh, la personne là qui, 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 qui me loge, parce que c'est c'est quand même pas normal. Hein. Il y a un truc qui va pas ici. Hein. Euh... Tac, 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 tac. Euh... <laughs> Mais franchement, c'est même pas poursuivi. Bah, vous me sortez un jeu là où vous me dites, euh... <laughs> où vous revenez à chaque fois sur un petit truc euh... que j'ai fait de manière malencontreuse en plus et qui est fortuite de, de... de... de ma personne. Donc arrêtez, ça suffit. <laughs> vous n'avez pas le droit. <laughs> euh, du coup, bah écoutez, hop. Euh... Salut Nico, j'espère que tu vas bien. Bon. Alors, est-ce que. Bon, J'ai compris que ça, non, parce qu'il est pas revenu. Donc, ça, d'accord, ça, j'enlève. Ok. Euh, J'ai compris que si ça, j'enlevais, qui se trouve là, la Mini Rock, ça, vous en voulez pas, parce que personne ne l'a mentionné. Je vais le mettre de côté. Donc, il reste le jeu de cartes Space Hulk. Il reste Big Un qui se trouve ici, qui est Alien, donc c'est notre licence. Et il reste Clone Wars, parce que vous m'avez dit oui, machin, etc. Donc, euh, vous, vous me dites directement, je ne peux pas faire mieux que euh, me mettre à quatre pattes et vous dire ce que vous voulez, hein. Donc là pour le coup là pour le coup très sincèrement Là c'est... ça vaut qu'il choisissez, je ne peux rien faire de plus. Et euh tac eh ben, bienvenue, moi! <laughs> J'espère que tu vas bien. Je te fais un coucou comme ça parce que je suis en train de lire en même temps le chat et je suis debout. Euh, bienvenue sur la chaîne. On avait joué à Marvel Zombie. Là, c'est fini. J'ai gagné. Je suis bien content. Je vais ranger. J'étais en train de proposer euh, justement euh, euh, ce, que, euh, ce que vous souhaitiez euh, euh, avoir. Special, special, special. special... Ah, bah ben, voilà. Bon, ben, Il hein, faut vraiment vous mettre un peu comme ça les. Les, les, les tournicots. Et bah finalement ça sera Alien. Voilà, allez hop, j'ai choisi pour vous en même temps. Je vous laisse pas le choix aussi. Je fais preuve d'un 4 93 pour vous imposer une chose. <laughs> voilà, vous vous êtes décidé. Bah non, bah c'était trop tard. <laughs> non, non, mais je vous mets Space qui a pas de problème. Donc, euh, je vous renvoie euh, sur un écran de, 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 de fin malheureusement. Je mets fin au stream, je vais ranger quand même tout ça. Je vais pas vous faire attendre 20 ans. Et je vais relancer d'ici. Il est quelle heure là Attendez, j'ai pas l'heure ici. Il est 22h30. Est-ce qu'on se dit à 22h50 22, C'est bien. 22h50, je vous, je vous fais du Space Hulk directement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, 22h50, je coupe ce, ce stream là de toute façon parce que ça, ça servira à rien. Il va après durer longtemps pour pas grand chose. Et puis, on se retrouve avec du Space Hulk. Euh, bah là, directement. Donc, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bah, dans. Euh, machin, 22h05. Euh, plus... Mais non, mais Nico, c'est pas que ça ferme. Ça revient. Toi, tu viens pour autre chose. Tu viens pour Space Hulk, imagine. C'est un jeu que j'ai pas fait depuis euh, euh, depuis euh, depuis longtemps. Mais je verrai, parce que je, je crois. Alors, je vous ai peut-être fait un truc là-dedans. Mais, mais je crois qu'il manque du matos. Euh, et qui doit être dans mon box, donc ça sera du Alien peut-être. Oh là là putain déjà regardez-moi ça là. Oh, on en refait plus des designs comme ça de cartes et tout. Oh là 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 là, c'est formidable. J'adore je, ce jeu, voilà, c'est un truc de ouf. Euh, je regarde, si c'est pas complet, je reviens avec euh, Alien, vous allez voir c'est tout aussi bien. Et puis euh, Et puis voilà. Bon bah à toutes, ciao Ah non, la souris est là, je me suis trompé. Donc je pourrais pas. <laughs> Faut que je la récupère. Je vous mets un petit écran et je vous dis à bah tout à l'heure. Thank you.